Bienvenue les amis sur ce tournoi Insider du Master and Commander 2. Je suis en compagnie d'Adarian qui est l'organisateur en chef et moi je suis son adjoint sur l'organisation de ce tournoi. Et donc le Master and Commander 2, c'est un tournoi de Warhammer 40 000 en équipe. 18 équipes qui ont commencé à jouer là-bas derrière nous, vous les voyez. 18 équipes de 6, ce qui nous fait un total de 108 joueurs. 108 joueurs et de combien de tables? Et bien 54 tables du coup. 54 tables de jeu. Et donc. Piège le gars. Oui, c'est ça. Du coup, derrière nous, c'est la première ronde a commencé. Donc le tournoi va durer tout le week-end avec 4 rondes par équipe. Donc une le samedi matin, une le samedi après-midi, une le dimanche matin, une le dimanche après-midi. Et l'équipe qui aura remporté sans doute ces 4 rondes, après il y a un classement en ronde suisse, sera la grande championne du Master and Commander 2. On est super content d'avoir réussi à organiser ça malgré les difficultés de la situation sanitaire. Donc c'est un aboutissement pour nous. Parce que c'est un tournoi qui était déjà prévu il y a un an et demi. On a commencé l'organisation en septembre 2019 exactement. Voilà. Donc on se retrouve au mois de juillet 2021. Donc ça fait quasiment 2 ans qu'on est sur ce tournoi-là. Et enfin, on arrive à le concrétiser et on va pouvoir se faire plaisir enfin, profiter du week-end. Ouais. Puisque initialement il était prévu pour mars 2020, le premier avril 2020. Exactement. Avril 2020. Après donc ça a été reporté. On était dans le dur du confinement, du premier confinement. Il avait été reporté pour octobre. Octobre 2020, ouais. 2020 qui a aussi été annulé et du coup là on a réussi. Grâce à la mairie d'Évry-Courcouronnes et à la préfecture, d'ailleurs on les salue et on les remercie, de nous avoir prêté les locaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un grand gymnase, donc c'est vraiment confort pour les joueurs. Et c'était aussi une des dynamiques qu'on voulait instaurer sur ce tournoi, c'est que c'est vraiment un tournoi compétitif, un tournoi de jeu dur, et on voulait que les joueurs aient de l'espace et le confort de jeu, etc. Donc ça demande une organisation logistique. D'ailleurs, je vais demander à Adarian, parce que pour le coup, c'est notre spécialiste logistique. Qui coordonne les associations, les décors, les tables, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail qu'il y a à faire en amont quand on organise un tournoi? Pour ce tournoi un peu spécifique, c'est assez particulier vu que, en gros, en décembre 2019, on avait booké toutes les réservations sur l'achat des goodies, sur la location du matériel, des décors, des tapis. Donc en fait, on a fait 3 mois vraiment à fond en étant au carré. Le Covid est arrivé au mois de mars, donc du coup, ça casse tout. On fait un premier report au mois d'octobre, donc 3-4 mois avant, on est obligé de se reprojeter sur le tournoi avec, bien sûr, une bonne 50% du tournoi qui va changer, parce que les dispositions ne sont plus les mêmes. Donc on repart sur 2-3 mois encore de préparatifs. À nouveau un report et là on se dit mais on va jamais y arriver et on se reprojette 9 mois plus tard avec encore des nouvelles problématiques, des fournisseurs plus dispo ce jour-là, des changements de version aussi parce que à la base le tournoi devait se faire en V8 et on nous pond directement en V9, donc c'est des changements complets de jeu, de format où il faut s'adapter. Là du coup c'est le premier vrai tournoi par équipe en V9. Donc on jongle avec ça, on reprend 2-3 mois et puis là ça fait 1 mois depuis la validation de la mairie qu'on bûche tous les jours dessus pour reprévenir les gens, savoir les disponibilités, trouver des décors, trouver tout en fait. Donc un gros mois encore de travail là-dessus. Ouais. Donc là pour vous donner une idée, on est sur réellement le premier tournoi français sur un format compétitif d'une telle ampleur. On est vraiment le premier de l'année, on a eu l'occasion de le faire, donc on s'est dit c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne sait pas ce que va être, ça sera la situation dans 2-3 mois. Donc on l'a fait. Il y a toute une équipe d'organisation au niveau de l'associatif qui tient le bar, qui tient la gestion, la mise en place, la logistique, etc. En plus de ça, on a une équipe de la FEC, donc on a un corps arbitral de 3 personnes qui nous est proposé par la FEC de façon à gérer la partie vraiment plus jeu et de façon à avoir une entité propre qui peut trancher sur des dispositifs de règles, sur des questions des joueurs, sur des problématiques aussi en termes de jeu. Et puis après, on a en plus de ça, nous l'équipe Creative Wargame avec Franck qui est derrière la caméra, avec moi qui aussi qui est là à l'animation. Donc ça fait quand même pas mal de monde. On note aussi, et on le remercie infiniment, on remercie les deux d'ailleurs, toutes les tables sont agrémentées de tapis de jeux de la gamme Crank Wargame qui sont en bonne dimension. Ça c'est un gros confort en termes de disposition logistique parce qu'on n'a pas besoin de redécouper les tables, etc. Donc gros merci à Crank Wargame qui a fourni les 54 tapis que vous voyez en bas. Et on a aussi My Scenari qui a
fourni des tables, qui a dû fournir une travée complète. Et après, on a des joueurs qui sont venus avec des travées à droite à gauche. Donc, ça nous a permis d'aligner plein de choses. Et on en est vraiment super content. On espère que les joueurs vont passer un incroyable week-end de Wargame. Et dans ce reportage, je vous propose de suivre nos quatre joueurs sélectionnés et de suivre leurs aventures au travers de ce tournoi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bisous. Salut les seigneurs de guerre, c'est Zig, je suis de retour sur le Creative Wargame et cette fois-ci je suis Master and Commander 2. Salut, moi c'est Boyashi, joueur pour l'équipe de Calif français FTA. Bonjour à tous seigneurs de guerre, donc moi c'est Manolo ou Manoldorus ou la Turgescence ou le Grand Stratégaire aussi à une époque. Bon, j'ai eu plusieurs pseudos évidemment, voilà, je joue depuis la V2, donc bientôt 5 ans de balai, donc ça commence à dater tout ça. Bonjour, hein. Donc moi je m'appelle Requiem, pour ce tournoi-là je suis dans l'équipe des MGWA et je joue Necron. Aujourd'hui je suis venu dans l'équipe des Cuir Moustaches, une équipe qui est issue du serveur TTS. On s'est monté il y a quelques mois sur internet et aujourd'hui c'est la première vraie confrontation qu'on fait en IRL avec des petits pitous. J'ai commencé le compétitif il y a 5-6 ans, je dirais. Puis petit à petit, avec d'autres copains qui étaient en Bretagne, qui étaient intéressés, on a réussi à réunir quelques larrons à droite à gauche. Puis on a formé la FTA, donc, qui est une équipe compétitive quasiment uniquement composée de joueurs bretons, au sens plus large, des joueurs du sud-ouest. Et puis on a fait notre petit bonhomme de chemin. Là, on vient là un peu plus décontracté que d'habitude, avec des listes un peu exotiques, un peu fun, un peu débiles aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, on s'éclate sur le circuit compétitif français, on s'éclate au Master and Commander et c'est génial. On a avec quelques potes monté un regroupement de teams sudistes, donc dans la région PACA, il y a 2-3 ans. On a regroupé toutes les teams qui étaient à droite et à gauche et puis on en a profité pour faire un regroupement où on fait jouer un petit peu la concurrence, entre guillemets. On est tous potes, évidemment. Et ça nous permet de faire plusieurs teams de niveau. Et donc là, pour ce tournoi, on est venu à deux teams du Sud avec des joueurs qui viennent d'Aix-en-Provence, de Simiane, de Marseille, de Malmort, etc., qui viennent d'un petit peu toute la région PACA, d'Arles et également. Et ça nous permet de venir sur le tournoi avec des objectifs différents. C'est-à-dire qu'on a une team qui vient, la Platinum, avec l'idée de faire un podium. Et on a la team dans laquelle je suis, la Silver, où on vient surtout avec de jeunes joueurs qui viennent prendre de l'XP. Alors, ils viennent prendre de l'XP sur le jeu, ils viennent prendre de l'XP sur les appareillements, ils viennent prendre de l'XP sur le jeu en équipe, et puis prendre de l'XP aussi par rapport à la communauté. Parce que, bon, voilà, on connaît un peu les joueurs qui sont dans le sud, évidemment, et puis les joueurs qui sont dans au-delà du mur, dans le grand froid parisien, on les connaît moins. Enfin, bah, j'ai continué, on va dire, à jouer Necron tout au long de la V6 et de la V7. Je suis rentré dans l'équipe des Mogwai et on a par là fait plein de tournois de qualifs un peu au travers, on va dire, du pays, de la France, d'excellents moments, jusque à peu près à l'arrivée de la V8 où, après, on va dire, j'ai rejoint l'équipe des MGWA pendant quelques années, jusqu'à aujourd'hui où, là, maintenant, on fait des petits tournois, on essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Et récemment, on a monté en fait avec des personnes de la FEC, avec Manoué, une association à Nation. Donc je fais partie du bureau, je suis trésorier et en fait on essaie un petit peu comme ça de promouvoir l'activité ludique, donc de l'assaut, les tournois, le niveau de jeu à Paris depuis la fermeture de la Vague Taverne pour justement recréer une émulation de joueurs et de tournois. La première ronde va commencer dans pas très longtemps. Vous aurez 4 rondes sur le week-end, une ce matin, une cet après-midi, une demain matin, une demain après-midi. Voilà, vous avez un bar à l'entrée auquel vous pouvez vous restaurer. Ouais, voilà, c'est Poulki et la chaîne NetBlitz qui s'occupent du bar, donc ouais. Voilà, félicitations à eux. Donc vous avez le bar pour la restauration qui est dans l'entrée. On va condamner cette entrée-là, donc la circulation. La circulation se fera par l'entrée sur laquelle vient d'atterrir Crank Wargame. Incroyable. Il faut savoir que Crank Wargame a ramené tous les tapis que vous voyez là et ce ne sont que des tapis dimension V9.
Donc ça, c'est vraiment un confort pour nous d'avoir que des tapis absolument stylés et en plus aux bonnes dimensions. Donc voilà, c'est l'homme qui est là, qui a fait ça, donc merci à lui. Il est remonté de Marseille avec 250 tapis. Et on vous souhaite un excellent événement à tous. On rassemble les capitaines auprès d'Immortus pour le briefing. Et après, la poutre, la poutre, la poutre. Bon week-end à tous. C'est un match miroir pour un premier match tournoi. Sista, Sista, c'est pas folichon, folichon. On va bien voir comment ça se passe. J'ai pas le T1, il a le T1 et c'est un match qui est ouvert. Bah, pour l'instant, on est sur un début de partie avec des trades. On est chacun dans notre camp. On va voir comment ça se passe après, parce que alors, le camp est très rapide, donc il peut accélérer quand il en a envie. Donc on va voir comment ça se passe. 108 joueurs, 54 tables et une seule vide, laquelle ? Celle de Manuel Ross. C'est normal. Avec Archange, ça fait environ 48 ans qu'on se connaît. Donc il n'y a pas de pression sur la partie, on a fait notre déploiement, tout ça, on est tranquille. Et regarde, il est en charentaise d'ailleurs, il est magnifique. Archange. Alors, on vient juste de se déployer. On n'a pas lancé le jet pour savoir qui commence, ça va conditionner déjà le début de la partie. Après, au niveau de mes estimés, moi j'étais en moyen plus. Moyen plus, mais ça va vraiment dépendre de si je commence ou pas. Écoute, ça va être une game plutôt simple. On est deux gens simples qui jouent deux listes vraiment très solides au tir, pour lesquelles le T1 est très important. C'est lui qui l'a eu, donc il va tirer. Je vais voir s'il me reste, je vais lui tirer dessus, je vais voir ce qu'il lui reste. Et ça va être comme ça jusqu'à que globalement il y en ait un qui n'ait plus de figurines sur la table. Okay. Voilà, game simple, mais ça va être fun. On va s'éclater la tronche. Bon courage. Merci. L'équipe d'organisation est en train de travailler. Alors non, c'est Nelbitz qui fait le bas et on joue à deux balles, c'est normal, tu vois. J'ai eu le premier tour, comme je voulais. J'ai déchaté, mais j'ai quand même fait du dégât. Mais là, son premier tour, il est assez dantesque quand même. Il a déchaté, lui. Ouais, donc ça va être compliqué là, c'est mal barré. Et un petit tir force 5, mais c'est rapide fire 2. Les gros dés, c'est les force 8. Sur du 2, reroll les as. On est d'accord, j'ai juste remplacé une figurine. Hein. Oui, bah de toute façon, il t'en reste. Tu es prêt là, je pense que j'en ai peut-être une. Il vous reste 2 heures. Ensuite. C'est compliqué. Il vous reste. C'est compliqué. Alors, une analyse, là, t'en es où, là ? Alors, l'analyse, fin de son T1, un très bon tanking de sa part, un petit peu moins bon de mon côté, il a l'initiative des advances et des charges. On va voir ce que sa première unité de Repentia va réussir à faire sur sa charge à l'impact, et surtout à mon retour de tour, est-ce que je vais être capable de la gérer ? Je pense pouvoir la gérer, parce que le rhino qu'il veut détruire est rempli de lance-flamme lourd,
Donc ça devrait être une formalité à la gestion. Maintenant, les dés décideront. Il a joué son premier tour retiré. J'ai joué mon premier tour retiré. On s'est tous les deux enlevé des choses très importantes. Là, concrètement, on est chacun sur les objectifs chez nous. On met des points. On s'enlève mutuellement ce qui va au centre. Et voilà, tour 2 il va tirer, tour 2 je vais tirer, et normalement T3 la partie est finie. Voilà, on est des hommes simples, ouais. On a des gros canons, ça va vite se décanter. Voilà, ça, c'est bon. Après c'est 3-2. Je crois que Saline, toi t'as dit. Bon, oui. Donc j'ai joué contre un arlequin qui avait une liste un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'était un arlequin on va dire qui joue des spams de player Frozen Star embarqué, mais avec à côté un petit allié Eldar qui joue deux petits packs de Hornet avec des lances ardentes et un petit patron Shadow Spectre. Donc ça lui apporte du tir lourd de loin avec un petit personnage qui se cache et qui peut aussi apporter un petit tir lourd. Donc c'est quelque chose à la base qui manque à l'arlequin. Donc c'est une liste assez équilibrée avec du mouvement, beaucoup de tirs, beaucoup de corps à corps, une bonne résistance et une grosse résilience. Donc c'était très intéressant. On a plus ou moins fait une partie qui s'est déroulée sur un statu quo avec des tricks. On a essayé un petit peu de faire des trades. On a pris un petit peu les unités de l'adversaire, en sachant que du coup moi en tant que secondaire j'avais pris des points de victoire gagnés par la destruction d'unités adverses par un noble. Donc en l'occurrence j'ai deux nobles dans la liste, il y a le roi silencieux et le papa console avec le bâton voltaïque. Et donc ces deux personnages là ensemble, vu que je joue contre une armée MSU, ils ont réussi donc à prendre les 15 points de secondaire. Secondaire, mauvais choix, c'était domination. Vu qu'on était sur 6 objectifs répartis sur toute la table, j'ai pas été en mesure, on va dire, de pouvoir garder ces 6 points pendant la partie. Donc là, je ferai que 3 points. Et enfin, le dernier secondaire, qui est, que je me rappelle, les drapeaux, oui, bien entendu. Donc là, par contre, comme il y a 6 objectifs, je suis arrivé à 10 points de drapeau. Alors, en ce qui concerne ma partie, je me suis retrouvé sur un match miroir. C'était Sista versus Sista. Mon adversaire jouait du Bloody Rose, alors que moi, je joue du Cœur Valeureux. Je considère que le match-up était très compliqué dans la mesure où il y avait deux unités qui pouvaient overkill n'importe laquelle unité chez moi, dans la mesure où ces Repentia sont PA moins 4 et peuvent doucher à coup de 4 attaques par figurine n'importe quelle unité. Il a eu le T1. Je pense qu'il a fait un très bon déploiement. Suite et fin du T1, pour lui comme pour moi, très peu de latéralité de deux côtés, surtout un jeu de positionnement dans une prévision de ce qui allait se passer dans les tours suivants. Au fur et à mesure de la game, on va dire T2, T3, mon adversaire a eu un tanking au dé qui était très joli à voir. Ça dépend pour qui, pour moi c'était pas génial. Ça m'a pas fait bien rigoler. J'ai pu absorber les deux vagues de Repentia en lui donnant des choix qui au trade étaient positifs pour moi, en prévoyant le kill de celle-ci derrière. Une fois que les deux unités de Repentia ont eu été absorbées, c'était juste un jeu de trade qui, à mon sens, m'a été positif dans la mesure où je n'avais pas perdu mes unités de corps à corps qui, à mon tour, pouvaient aller doucher toutes ces unités super OP. C'est ce qui s'est passé. Voilà, on savait qu'on allait rigoler et qu'on allait... Ça, c'était au début. Je pensais qu'on allait rigoler. Et puis finalement, ça a été plutôt la soupe à la grimace. Il a rigolé. Ouais, c'est surtout lui qui a rigolé. Ouais. Donc, partie très intéressante. Mon Craft Ward contre son Astra Custodes. J'ai le premier tour. Ça se passe plutôt pas mal, même si je loupe pas mal de choses, notamment avec ma Viper, sur pas mal de reroll pour blesser ou pour toucher. Mais j'ai un premier tour qui est intéressant, où je pète pas mal de choses chez lui. Et je laisse malheureusement le tanko à 2 PV, parce que mes rerolls foirent un petit peu. Mais je suis plutôt bien engagé. J'ai mon plan de jeu qui fonctionne bien. Et puis, son premier tour, et là c'est le drame. Il commence à bien chatter, je commence à déchatter, et ça va être comme ça un petit peu toute la partie. Et une partie où j'étais plutôt bien positionné, où j'avais plutôt un pairing qui était moyen positif, moyen plus, je me suis retrouvé très rapidement
Alors en position favorable au premier tour, après mon premier tour, et puis tout de suite, mon manque de réussite a fait que il a pu prendre de l'avance et j'ai été en réaction. Et malheureusement, l'Eldar, quand on est en réaction, eh ben, on a un codex V8 encore, des unités qui sont chères. Et dans l'histoire du trade, dont on parle beaucoup sur les vidéos, eh ben, on finit par s'essouffler assez rapidement. Ça s'est plutôt bien passé, franchement. Donc comme j'ai déjà dit, c'était un match assez simple. Hein. Globalement, on était des gros calibres de chaque côté, une table avec peu de décors, donc ça se résumait globalement à celui qui tirait le plus fort. J'ai tiré le plus fort, vraiment. Ma liste était bien taillée pour. donc oui, ça s'est bien passé. Surtout que j'étais un peu aidé par mon adversaire qui, malgré le fait de commencer, n'a pas joué très agressif. Ce qui m'a vraiment, vraiment permis d'engranger des points dès le début, de continuer, etc. Et comme j'ai tiré plus fort, j'ai continué d'engranger des points jusqu'à la fin de la partie. Et lui, au bout d'un moment, il n'avait plus rien sur la table. Donc il a arrêté. Voilà. La partie s'est terminée, on va dire, avec 10-12 points d'écart entre lui et moi, parce qu'on a tous les deux 45 points de primaire. Et en termes de secondaire, justement, on n'a pas une énorme écart, ce qui est un petit peu normal. C'était un petit peu ce qu'on avait vu avec, de toute façon, l'estimation de la partie. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous les deux des armes pour se faire mal à distance. Et de toute façon, celui qui agresse l'autre va lui faire un petit peu mal, mais pas suffisamment, va perdre en fait l'unité qui agresse. Et il y a vraiment, si l'un des deux joueurs fait une connerie, qu'à un moment donné, il y a l'un des deux joueurs qui va vraiment bouffer l'autre. Donc ça se termine sur une petite victoire pour moi, j'ai gagné 12-8. Qui est plus ou moins ce que j'avais estimé de la game. Voilà. J'ai pris l'objectif Sista qui consiste à tenir un objectif dans le No Man's Land désigné par l'adversaire, objectif que j'ai pu caper à 15 points. J'ai pris également les bannières, objectif que j'ai pu caper à 15 points. Et j'ai pris l'attrition, il me semble que l'attrition je l'ai monté à 12 parce qu'autour d'eux je n'ai pas réussi à avoir de forme de létalité sur son MSU. Et au primaire, on est resté stable tous les deux, T1, T2, T3, mais à partir du T4, T5, j'ai pu prendre l'avantage par ma domination sur table et ma tankiness. La figurine, l'unité qui aura été clé dans mon match, c'est Ephraël Stern. Ephraël Stern qui aura pu, à elle toute seule, grâce à un joli jet à la phase de tir, faire 6 mortels sur une unité de sacré sang. Donc ça m'a permis de passer outre la 2+, 4+, qui lui a wipé une unité, et ensuite de charger Morvenval, et avec l'ignore invulnérable, c'est assez cochon. Il m'aura fallu 2 tours pour lui coucher le Morvenval, mais Ephraël Stern y est arrivé grâce à son petit pote Kiganil qui aura tanké les BM et qui aura tanké les blessures grâce à son Finopain. Voilà, une bonne game qui se termine sur un 15-5 en ma faveur, un adversaire très agréable. J'ai pris du plaisir, un bon moment, surtout voir étriper des petites gonzesses comme ça, c'était assez marrant, mais je maintiens que le match-up est compliqué. Et il n'est pas marrant à jouer. Très bonne game, intéressante. Donc ça, c'est super, c'est super sympa. Malheureusement, le résultat s'est inversé. Il a gagné 16-4, je crois. Parce que, il a bien joué, premièrement. Et deuxièmement, ses actions ont été... toutes ses actions qui étaient bien pensées ont eu la réussite. Et mes actions, qui étaient aussi très bien pensées, n'ont pas eu la réussite que j'escomptais avec des GDD qui n'étaient pas suffisamment bons. Donc ça s'est bien passé. Et puis au niveau de l'équipe, on a gagné. Large victoire. C'était plutôt un bon match. On a eu un peu de réussite au dé. Là. J'ai entendu quelques anecdotes. Ouais, ça s'est bien passé pour les copains, globalement. Mais voilà, belle victoire. Maintenant, on attaque du lourd. Il faut la rassurer si on veut continuer à gagner. Alors l'équipe par contre elle a pas fait un très très bon résultat, on va pas se mentir. Elle s'est fait un peu fesser. J'ai néanmoins notre Drucari qui a réussi à faire un 12-8 contre un Death Guard avec Mortarion. Bon, voilà, c'est pareil, c'était des jeux de strafe. Par contre, très étonnant, on a notre Admec qui s'est pris un énorme cul contre un Nécron triple octane qui lui a fait il lui a envoyé de la magie, hein, c'est le cas qu'on puisse dire, hein, de la mortelle. En veux-tu en voilà, dès le tour 1, on va dire le chevreuil, il était un petit peu dans sa tête en mode si je joue pas T1, je suis mort, bah allez, on fait un all-in, j'ai le tour 1, je fonce sur l'admec, et bon bah voilà, les mortels c'est magique, et ça s'est très bien passé pour lui. Donc notre admec, on va dire, il a eu très mal. On a eu notre Sista qui avait été envoyé en chèvre contre un Nika admec, bon bah là évidemment forcément, il était mort. On a notre SM qui était sur un match assez gumble, qui n'a pas réussi à tenir la route, et donc du coup il est mort. Et je crois que le dernier c'est la Death Guard qui est tombé contre un Space Wolf.
la Death Guard, quand elle tombe contre un Spacefall qui fait taper en dernier, ça se passe pas toujours très bien. Voilà. Un petit peu pour le score de rond, je pense que ça doit être une petite défaite d'équipe, on va dire avec des scores qui sont beaucoup plus en faveur de notre adversaire. Sur la bataille, j'ai eu le T1, j'ai pu un petit peu me parsemer sur la map. En secondaire, j'ai à nouveau pris le secondaire Sista qui consiste à tenir un objectif sélectionné par l'adversaire dans le Man's Land. J'ai également pris le scénario qui est le terrain vital grand, et j'ai pris en plus de cela les bannières. Donc le but pour moi sur cette partie, ça va être de m'installer sur deux objectifs et d'aller grappiller trois objectifs au fur et à mesure de la carte. À mon T1, je n'ai absolument rien fait, j'ai tué trois Space Marines. À son T1, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai tanké des multimeltas sur un Rhino, et il m'a détruit une unité de sort de bataille à 55 points. Il a commencé à me grappiller mon unité de 15, mais qui tient bon, puisque cette unité va me rapporter du coup 15 points en étant là où elle est. Puisque je vais faire 15 points de secondaire grâce à ça, parce que je tiendrai plus d'objectifs que lui. Et en plus, je vais gagner 2 points de Vital Grande. Donc, mon T2 sera peut-être déjà déterminant. Alors, comme tout à l'heure, ça a bien commencé, sauf que ça a bien continué cette fois-ci. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu fort à la moue. Donc, ce que tu vois à l'écran, c'est ce qui lui reste en gros. Et ce que tu vois à l'écran côté Eldar, c'est ce qu'il me reste en gros. Donc on va dire que normalement dans 2 tours il devrait plus y avoir Tyrannide. Oui Manu, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Alors quoi de neuf ? Oh bah écoute. J'ai pas dormi, c'est cool. Ah, toi aussi ? Ouais. Bah, comme, je pense comme à peu près les 3/4 des personnes de la salle. Bon, contre qui tu es pour cette troisième partie ? Alors, on joue contre l'OSS 77, voilà. Je suis désolé, on ne s'est pas présenté, donc j'ai pas ton pseudo. Hugo. C'est Manolo. Et donc, ça va être une partie Eldar Craft World contre du Space Wolf. Donc lui va vouloir me choper et moi j'ai pas à vouloir qu'il me chope, en gros. Hein. Très bien. Eh bien on va voir s'il t'a chopé ici quelque part. À tout à l'heure. À toutes. Très bien. Bonjour. Moi j'ai fait Lumia Vermine, j'ai 2 points par quart de table où tu n'es pas à la fin de mon tour. J'ai fait Étendard comme toi et j'ai fait Abattez-le. Donc 2 points à 3 points avec les chars que je te bute. Voilà. Et bon, allez, moi je termine. Toi tu fais magnifique 4. Moi je vais faire figure en 5. 5. Ceux qui ont vu le podcast de présentation des armées savent ce qui m'est arrivé avec le roi silencieux jadis. Je compte bien me venger. Bah pour ça faudrait encore que son castellan soit en vie. Que celui qui tire le plus fort gagne. Ouais, donc il fait 2 PC, je vais reculer ça. Voilà. De manière à ce que. Pardon, sur les 6, mais on est à 2.
Après, j'ai l'un de la table. Ça fait une, deux, trois motos. Et une à deux. C'est celui qui a l'Omnispex. Et celui qui a ici. Attends, je te cherche un autre qui est. Ok. Voilà. Le feuillon. Yep. J'en ai un qui fait ça. Du coup, allez les gars. Je crois que je ne pas en fait. Bon, comment ça démarre? Pour l'instant, on se déploie, on essaie de se planquer tous les deux, parce qu'on a quand même une puissance de feu suffisante pour emmerder l'autre s'il y a des trucs qui courent dans la plaine. La game va démarrer, le T1 va être important, franchement, c'est un peu dommage, mais c'est la table qui veut ça. Donc on va voir, mais ça va être un match sympa, en tout cas ça va exploser dans tous les sens, ça c'est sûr. Qui a le T1 du coup? C'est le joueur GI, on a fait chacun un 6, on a relancé, il a refait un 6. Je n'ai pas réussi à refaire un 6 pour le contrer, donc c'est lui qui commence. Bon, est-ce que c'est une mauvaise chose pour toi? J'aurais préféré commencer. On va pas se mentir. Alors on va tirer sur eux. Avec le spinner. Donc on va commencer par celui-ci. Combien de tirs? C'est celui-là qui a déjà tiré. Oh, c'est celui-là qui tire. Donc 12 tirs. Écoute, on est à début de son T3. J'ai eu la chance de tirer le tour numéro 1, ce qui m'a permis de bien prendre la carte avec mes rhinos qui ont leur mouvement d'avant-garde. Ce qui m'a permis de repousser tout ce qui m'embêtait en frappe en profondeur, notamment l'unité de 20 sanguinaires qui me faisait très peur. J'ai réussi à faire le combo d'annuler les sauvegardes invulnérables sur tout ce qui est sur un gardien des secrets qui s'est fait one-shoot par unité de sacré sang. Un autre gardien des secrets s'est fait abîmé à la BM grâce au Dominion et one-shoot par Morvenval. Et un troisième gardien des secrets dans le même tour est décédé à coup de multifuseur et de pouvoir de Ephraël Stern. Fin de mon T3, le joueur démon pour l'instant a l'avantage du primaire puisqu'il a réussi à son T2 en deny. Mais je pense que maintenant je vais prendre la carte sur le tour qui reste et on se dirige sans être présomptueux sur une victoire des Sista. Il a bien joué, il s'est bien placé. Ce qu'il a fait, ça a payé, vraiment, il m'a fait très mal. Il a tué mon Castellan, donc mon Rosica, en une phase, avec trois petits. Moi, de mon côté, j'ai fait une petite erreur de placement, qui me coûte cher, parce que j'ai qu'un seul tank commandeur qui peut tirer sur le roi silencieux, qui avait peu de points de vie, mais qui a réussi à survivre. Je paye un peu, grosse erreur, fallait pas faire, c'était, voilà. Je vais le payer très cher et c'est bien fait pour moi, je recommencerai plus. Et non, là, sauf gros malentendu, il devrait bien gagner cette partie, il a bien joué, moi j'ai fait une erreur, je l'ai payé. Bon. Voilà. Vous en êtes à quel tour là? Là c'est son tour 2, c'est pour ça que quand on voit l'état de la table, ouais. Voilà. Ça se passe mal pour les IK. Non. Alors j'ai pu mettre enfin faire mon le but de la liste, c'est de mettre des thermis Emperor Children dans l'aura du full blast spawn pour dire qu'on peut jamais les charger. T'as aucune possibilité qui fait que tu les charges et tu tapes pas en premier toit. Et j'ai pu le faire. Yo. Il n'y a aucune possibilité qui fait que tu veux les charger. Alors j'ai fait ça, il était là. Ah, mais comment il va, Franck? Non, parce que chaque fois il filme tout le monde, mais comment tu vas, toi? Toujours parce que tu joues. Moi? Moi ça va. Un peu fatigué de porter ça, mais c'est cool. Ah, tu m'étonnes. Donc fin de la round 3. En ce qui me concerne personnellement, je vais donc affronter un joueur démo. La fin de la game termine sur un score favorable pour mon armée Sista à 18-2. Un adversaire extrêmement agréable, très intelligent dans sa manière de s'être déployé, qui m'a créé de fortes difficultés. Et ce qui fait que je mets un 18-2, alors qu'un 20-0 aurait été complètement possible s'il avait fait des erreurs, chose qu'il n'a pas faite. Donc une très très bonne ronde.
Au niveau de la team Cuir Moustache, du coup, après reprise de score, on se retrouve avec deux victoires pour hier. Malheureusement, 7-33, nous échouons à aller chercher une égalité pour un petit point. Comme quoi, quand on joue en équipe, chaque point qui peuvent être sauvés sont extrêmement importants. Des joueurs toujours aussi agréables, des très très belles tables, une ambiance extraordinaire. Vraiment un très très bon moment. On part donc sur la quatrième ronde, on est à 4 points. But de cette quatrième ronde, nous, on aimerait vraiment arriver à faire une victoire, ce serait l'idéal pour aller gratter peut-être un tiers supérieur de tableau. Voilà, messieurs. Bah, il a gagné, tout simplement. Il a gagné, il a mieux joué, il a moins fait d'erreurs. Ce qu'il a entrepris, ça a réussi. Il a fait les bons placements, bon moment, les bons jets de dés. Ça s'est bien goupillé, c'est 100% mérité. 20-0, voilà, aucune discussion. Le roi silencieux a triomphé. Et le pourquoi ? Le roi a triomphé. Alors, moi, ce que je peux dire du match, alors en estimé, je m'étais mis en positif sur toi, en sachant que avec le recul, je dirais plutôt que c'est une sorte de gamble. Je ferai un gamble. Ça dépend énormément de la table et énormément de facteurs. Ce qui est sûr, c'est que le joueur parmi nous deux qui joue en premier est vachement avantagé. Bon, mon adversaire a commencé. J'ai pas pu cacher tout le monde, forcément. Donc, il y a son gros IK qui a pu faire un mouvement de 18 avec full tir, qui s'est dégagé une ligne de vue sur le roi. C'est plein d'IK. Chaque IK pouvait tirer sur des destroyers lourds. Donc là, dans ma tête, ça commence à être un petit peu compliqué pour la suite, pour ça pouvoir gérer ce qui allait arriver. C'est le drame. Après, bon, les dés sont pas achetés. Hein. Il y a des invus, des petits trucs, etc. D'ailleurs, il y avait l'espèce de mini-IKA avec ses autocanons qui, quand il reçoit une unité qui vole, il fait 12 tirs, la totale. Bon, c'est vrai que les destroyers lourds à couvert, ils ont une save à 2, donc à 3, ce qui est que ça limite un peu la casse. Un petit pétard mouillé. C'est ça. Mais pour résumer, voilà, il y a eu le Castellan qui voit de loin, du bout de la pointe de son canon, un bout du roi silencieux qui tire dessus avec tout ce qu'il a. Il envoie tout. Il a envoyé la purée tout d'un coup. C'est ça. Ça n'a pas suffi. Et il a laissé le roi à 8 PV. Voilà. Et au final, c'est vrai que quand la fumée est descendue, tu m'as pas fait tant de dégâts que ça. Tu m'as pas mis suffisamment à vraiment, t'as vraiment l'occasion de vraiment all-in, me rentrer dedans et vraiment faire mal et enfoncer la partie directement dans le terrain. C'est ce que j'ai fait. Et j'avais pas le choix d'ailleurs. Ouais. Et j'avais pas le choix du tout parce que de toute façon, si je restais chez moi, on va dire en me disant je joue encore un peu défensif, bon, là t'allais complètement me ruiner. Donc là, il fallait que j'avance et que j'y aille. Et au final, au niveau de la riposte, c'est beaucoup mieux passé pour moi. En plus j'avais l'opportunité de faire des tirs et des charges parce que toi tu n'avais pas la possibilité de faire et donc du coup j'ai fumé tous les petits IK qui sont arrivés et au niveau du gros Castellan entre les tirs et les CAC disons que j'ai réussi beaucoup mieux mes 5 plus pour blesser que lui a réussi derrière ses 4 plus invus et que le Necron il a quand même des grosses PA, il a quand même assez rapidement des bons damage et ça pardonne assez peu, voilà. En termes de variance, on va dire chat, je dirais que c'est peut-être pas non plus trop déconnant ce qui s'est passé, mais il y avait quand même de grandes chances pour que le Castellan quand même survive à quelques PV. Ça, c'est là en fait, on est quand même sur un gamble, parce que le Castellan aurait survécu, la suite de la partie aurait été quand même différente, on aurait été sur un score... alors, peut-être qu'on se sera rapproché d'un score sur une égalité ou un 16-4 à la fin. Je pense que ça aurait pas fait un 20-0 en tout cas, de toute façon. Parce que malgré tout, même si le Castellan reste en vie quelques PV, il aurait fini par crever. Bon, le roi serait mort, on aurait eu chacun des pertes assez lourdes, mais on n'aurait pas pu aller se chercher mutuellement. Donc on resterait resté dans notre camp et on aurait été en fait sur une sorte de. Mais je pense qu'on aurait fini sur une game où à la fin du cinquième tour, il reste deux pelés, trois tendus de chaque côté. Voilà, c'est ça. Bon, ce qui s'est passé, c'est que le Castellan est mort, et après, ça a été la remontée sauvage du Necron et fabuleuse. T3, j'avais plus rien sur la table. Voilà. Ah, mais c'est bien, victoire méritée. C'est très intéressant comme partie. Oh, c'est beau, c'est beau. Bah, du coup, dernière partie pour vous. Eh oui. Qu'est-ce que vous. Alors, il y a eu les pairings ou pas, vous savez ou pas? Oui. Ouais. Alors, vous savez qui vous affrontez? Ouais. Qu'est-ce que vous espérez? De quoi vous avez peur? Franchement, nous, FTA, on affronte les cuirs moustaches, si j'ai bien compris. Et bah, on attend que du fun, ça va être cool, on va s'amuser, on n'a aucun doute là-dessus. Et c'est tout ce qu'on cherche, donc c'est très bien. C'est bon. Et nous, on affronte les priapismes. Écoute, moi, ce que j'attends surtout, c'est passer vraiment de belles games. Là, en sortie de Covid, la reprise d'un grand tournoi comme ça, c'est fabuleux. C'est même inespéré. Je suis super content de faire des parties comme ça. Donc, moi, j'attends que jouer contre une armée contre laquelle je n'ai pas encore joué. Voilà, je sais pas, un petit Drukhari, un petit tas de mecs. Même si je me prends un cul, au moins, ça va me permettre
tenter des trucs et de découvrir hein, et faire des belles games, quelque chose de. Une bonne partie voilà, pour terminer ce magnifique tournoi. Tu fais tuer en rentrant à la maison, mais après, à part ça, ça va. Ouais, grave. Une analyse de la situation pour toi. Alors, analyse de la situation, là, c'est la ronde finale, hein, comme vous le savez, vous qui nous suivez assidûment. Et il y a des parties intéressantes. Celle-ci, elle a l'air super cool, bien qu'elle semble basculer dans un sens. Hein. Vous ferez attention parce qu'on n'a pas l'autorisation parentale pour Philippe Tinico. Ça fait trois fois. Non, mais là, j'avais dit en live, là, je le dis dans la vidéo. Donc, vraiment. Je pensais qu'il avait 16. En fait, ouais. C'est-à-dire que là, vous le savez pas, mais El Gringo, il joue avec son fils, en fait. Il fait une partie didactique avec son enfant. On va le flouter. C'est pas son petit-fils ? Non, c'est pas son petit-fils. Et donc voilà, ça s'est tapé un peu au centre, etc. Il y a une partie qui peut être sympa, c'est celle de LOL avec Tanker. Ça se tire dessus, c'est plutôt rigolo. Et puis après, le reste, on va voir sur qui on mise, sur les Schengen ou les PU, je sais pas. Je suis avec Gandilf. Quelle équipe, Gandilf ? Alors, on est les War Pigs, les cochons de guerre. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit mot sur ton impression du week-end ? Franchement, c'est un de mes meilleurs tournois. Ah ouais ? Ouais. Franchement, on a ma dernière game, je suis un peu vanné, j'ai tout donné. Bon, malheureusement, je pense que j'ai pas réussi à rattraper le... Mon équipe, on était bon de bras cassés. Ouais, faut pas le dire à la caméra. Mais non, vraiment, merci beaucoup, Tourop, pour. Merci aux Warpigs. Ce que tu fais à la commu. Avec grand plaisir, on reviendra. Mieux entraîné, j'espère. Je suis avec Alpha de l'équipe Anvil Dragoon, la 2 Silver. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur comment s'est déroulé ton tournoi ce week-end ? À quel point de vue ? De celui que tu veux. Les games. Sincèrement, celui que tu veux. Ouais, bah, humainement extraordinaire, ça fait super plaisir de se retrouver sur un event comme ça avec des gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, d'autres où on se côtoyait juste pas IRL et de les retrouver, top. Et d'un point de vue jeu, il y avait quand même pas mal de level. Ouais. Pas mal de level, c'était intéressant. Nous, on a fait. Ouais, on lose au début. Fini par 2 victoires et on finit sur inégal. Mais super sympa, super enrichissant. Ambiance de ouf. Des bières très très bonnes. Ça, c'est très important. Des bières très très bonnes. Et ouais, voilà, donc globalement super content. Ok, bah super. Bah merci aux Anvil Dragoon, Silver et Vibranium d'être venus. Ouais. Ça fait plaisir. Et puis on espère vous revoir quand on remettra le couvert. Avec grand grand plaisir. Ça marche. Merci. Je suis avec Archange. De quelle équipe ? Légion Invicta. Est-ce que tu peux nous. 15 minutes pour amener les feuilles de monde. Okay. 15 minutes pour finir. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur ton ressenti du week-end, comment s'est passé ce week-end de Wargame ? Eh bien écoute, super bien passé globalement, seul défaut c'est le masque, voilà. Non, mais, voilà. À part tout le monde s'accorde à le dire de toute façon. Ben voilà, ouais. À part ça, les tables elles sont vraiment super belles déjà, des beaux tapis, des beaux décors, une bonne orga franchement, c'est génial, une super ambiance, j'ai pas vu de gros, voilà. Juste Manolo, mais en classique, je veux dire, on se connaît. Classique, ouais, classique. On se connaît. Non, Manolo, c'était super. Et puis, moi, j'ai très bien performé, donc je suis content. Mon équipe, on fait 3 wins et une défaite contre, je pense, les premiers, peut-être. Oui. LOL et compagnie, non ? Oui, c'est les premiers. Donc, non, bien, super, je suis vraiment content. Fait longtemps que j'ai pas fait de tournoi. Ouais, 40 cas. Donc, je suis content. Eh ben, j'ai dû arrêter en 2013 ou 2014, je crois. Ah ouais. Vu le nez, hein. Ouais. Enfin, peut-être dans 2015. Enfin bref, j'ai fait le dernier ETC en gros, quoi. Ouais. Avant que ça switch, j'ai arrêté en V7. Quand la V8 est arrivée, après j'ai arrêté. Ok. Eh ben, merci à toute l'équipe d'être venue. Et puis, ben, on espère vous revoir quand on remettra le couvert. Oui, on va revenir. On va revenir. Ok, je suis avec Nounours. Et quelle équipe, Nounours ? La team Wargame. X. Ok, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment s'est passé ton week-end ? Bah le week-end en termes de, enfin un pur tournoi, un truc l'événement qu'on attendait quand même depuis deux ans quoi, clairement. Donc on se préparait, on s'entraînait, même avec le confinement, on essayait de faire des parties à toute berzingue pour s'entraîner. C'était vraiment le but ultime, c'était ce Master and Commander. Puis bah l'arrivée, pas déçu quoi, pas déçu. On est tombé sur que des équipes vraiment cool. Des belles parties, des belles. Enfin voilà quoi, un week-end de wargame parfait quoi, clairement. T'as kiffé ? Bah carrément, on a kiffé, on a tous kiffé. On est très bien. C'était kiffant, on est sur de la kiffance de haute volée. Kiffance au carré ? Kiffance au carré. Okay. On est sur de la kiffance. Est-ce que tu aurais aussi un petit mot pour la fanbase d'Aimé ?
Ah, je leur chie dessus, clairement. Je leur chie dessus, ça change pas. Nounours, ouais. Qu'ils aillent tous se faire épiler. Clairement, hein. Vraiment, sérieux. Sérieux. Voilà. Ok, très bien. Bon, ben, merci à toute l'équipe Wargaming d'être venu. Ouais. Et puis, ben, on espère vous voir quand on remettra le couvert. Bah, merci à leur gars, Eldarian. Je sais pas si. Eldarian, je sais pas si toi t'as bossé beaucoup, mais merci non, quand même pas, à toi. Pas des masses. Non, merci vraiment, c'était vraiment super, nickel. Week-end parfait de Wargame. Ok. Je suis avec Ichi. Hey. De quelle équipe? PU Alpha, oui, c'est ça. C'est un interview, c'est interview au questionnage. Ouais. Raconte-nous un petit peu, tu peux nous dire en quelques mots juste ton ressenti sur le week-end. Ah, le week-end, bah, ouais. C'était trop bien. Voilà, ça c'est du gros tournoi, ambiance hier, même si c'est pas l'hier, parce que c'est les mêmes gens qui le font et vous savez très bien les faire. Donc c'est cool, ça fait partie des meilleurs tournois en France et en région parisienne en tout cas. Donc ça c'était pur plaisir. Ouais. Sur l'aspect tournoi, sur l'aspect jeu, moi j'en ai chié, j'avais une liste qui n'était pas super opti. Hier j'ai pris des gros culs, enfin non, j'ai quand même mis un peu, j'ai gardé mes points mais j'ai pris cher. Aujourd'hui je me suis bien vengé sur un tyrannide que j'ai souillé mais qui était très sympa. Et là j'ai fait une game super dure contre Guillou avec une liste lista très très forte. Et je m'en suis bien sorti. T'as fini à combien ? Je m'en suis bien sorti mais j'ai mis que 2 points. J'ai eu un petit manque de réussite et je me suis un peu chié sur mes secondaires, j'aurais pas dû prendre serment de l'instant, sur lequel j'ai mis que 5 points. Et voilà, mais sinon le reste ça s'est bien passé, je l'ai bien défoncé sa liste, mais ça n'a pas suffi. Pas trop dur de rattraper, hein. L'assista c'est fort, hein, surtout quand t'as une liste qui est pas opti. Par contre, bizarrement, c'est sur ce match-up que mon Gladiator Reaper qui sert à rien à part faire c'est là qu'il a scoré le plus. Oh ouais. Il a défoncé plein de sœurs. T'as kiffé ton week-end ? Ah bah ouais, grave. Ah bah c'est le principal. Je suis avec Zolkov de l'équipe FNP. Yes, est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur ton ressenti et comment s'est passé ce week-end de Wargame? Ah bah déjà super tournoi, ça faisait vraiment plaisir de se retrouver avec plein de monde. Ça fait quand même des mois qu'on attend ça. Super ambiance sur les tables, ça s'est super bien passé, tout le monde a été cool. Je pense que les games se sont bien déroulées, super bien organisées. Après bon voilà, sur la team on a un résultat moyen, mais voilà, on fera mieux. Vous avez fait quoi au niveau team? J'ai pas le résultat final, mais au global on fait une égale, une victoire et 2 petites défaites, donc c'est moyen. Voilà. Okay. On reviendra plus fort. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Ils reviendront plus fort les gars. Je suis donc avec Rek, vous l'avez suivi pendant toute cette vidéo là. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce qui s'est passé à la dernière partie? Puis globalement un petit peu comment s'inscrit la MGWA dans le tournoi au niveau de la compétition. La parole est à toi. Alors, ma dernière partie, j'ai affronté un Deathwatch. Une armée assez résiliente, très résiliente, avec beaucoup de dread. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est déployé tous les deux de façon très défensive, on était sur une table très chargée. Mais il y a un petit couloir de tir, une petite meurtrière sur laquelle on pouvait justement s'échanger des tirs, des petites caresses à longue portée. Mais en fait, très étonnamment, j'ai fait en fait les baits avec Zarek, c'est-à-dire qu'il voyait que les deux pylônes qui ont commencé à essayer de lui enlever des PV à un dread. Il a contre-attaqué avec je sais plus le nom du tout, mais ces espèces de dread là qui ont les tirs qui font de la mortelle. Les contemptors. Les contemptors, exactement, c'est ça, en reroll, des touches et tout. Enfin bref, il a pété les deux pylônes, mais il a pas tué Zarek. Voilà, Zarek est resté en vie avec quelques PV, c'était suffisant. Puis là, avec les destroyers lourds, la fête des guerriers, il a perdu tous ses dreads. C'était le bait de Zarek. Après, il a quand même une armée très résiliente, donc entre les quarts de table et tout, il a quand même réussi à scorer des points. Et on termine sur un 14-6 pour moi. Okay. Victoire de l'équipe ou pas? Victoire de l'équipe, ouais, tout à fait. Ça vous donne quoi en termes de rendement sur la totalité du week-end? Alors sur la totalité du week-end, ça fait 2 victoires et 2 défaites. Okay. Je pense que ça fera un ventre mou de classement. On est sur un milieu de classement. On est sur un milieu de classement, clairement. Un petit mot sur comment s'est passé ton week-end? Eh ben, très, très génial, excellent. Franchement, c'est un plaisir sans nom de pouvoir à nouveau refaire des tournois avec ce qui se passe. Enfin, un tournoi aussi grand, c'était inespéré. Vraiment, ça me fait, et puis même ça nous fait super plaisir de pouvoir venir faire des parties et tout. C'est génial. Ça nous manquait et c'est vraiment cool. Bah écoute, merci à la team MGWA d'être venu. Puis on espère vous revoir si jamais édition 3 évidemment. Pointer le bout de son nez. Évidemment, si une édition 3 pointe le bout de son nez, ce sera avec plaisir. Yes, ok. Bah merci à toi Rek d'avoir participé à la vidéo et on passe à la suite. Je suis avec Zig, vous l'avez suivi pendant tout ce petit reportage autour du Master and Commander 2. Zig, comment s'est passé
la dernière partie, comment ça s'est passé pour ton équipe et comment ça s'est passé pour ton week-end. C'est un compendium de questions que je te délivre avec ce micro. Je suis pas, on est d'accord. Vas-y. Ça marche. En ce qui concerne la dernière game, donc je suis appareillé contre un Drucari, quelqu'un que je connais de par internet. Donc on est à l'aise sur les échanges. Il a T1 et j'arrive à tourner la game pour gérer ces différentes menaces qui me dérangent le plus, l'incarne Drazar et les vagues de Witch. Ça se passe bien, ça se termine sur une table rase à 18-2 pour le joueur Sista. C'est-à-dire toi ? Ouais, c'est-à-dire moi, voilà. Le scénario pour moi contre le Drucari et le Sista en quart de table comme ça est à mon avantage. Ouais. Parce que je peux prendre des objectifs secondaires qui m'aident énormément, quart de table, attrition contre lui, parce que je pense qu'avec la résilience du cœur valeureux, je vais scorer plus que lui des unités détruites. Et le troisième, je sais même plus, le centre ground, le scénario. Oui, voilà, target, donc hein. Comme j'ai l'unité de Quincista qui est super OP, j'ai juste à faire un plot dessus en 4 plus invulnérable, Fino Pain à 6 et ça bouge plus, ça branchera pas une oreille. Voilà, je suis content parce que je pense que la liste que j'ai jouée ce week-end n'était pas forcément connue. On voit plus du Bloody Rose et j'ai tout orienté sur du Valros. Le codex a 3 semaines quand même. Le codex a 3 semaines. Mais c'est vrai que les génériques de Lysista qu'on voit tourner aujourd'hui, notamment sur le tournoi qui vient de se passer, on est sur du Bloody Rose et sur du Sueur d'Argent. Ouais. Moi, j'ai fait un autre choix avec la team qui a été de mettre du Cœur Valeureux, c'est-à-dire d'aller à contre-courant, de mettre un plot, mais avec des pièges à l'intérieur qui peut absorber et coller de la BM en masse derrière. Ça a fonctionné puisque sur les 4 games, je ressors à mon niveau avec 4 wins, 15, 20, 18, 18. Donc la strat a fonctionné. Voilà. Sur l'équipe, je suis très content. C'est le premier tournoi des Cuir Moustache. On finit avec 2 victoires. Premier tournoi IRL des Cuir Moustache en physique. Donc on finit avec 2 victoires. Un match perdu à la ronde 3 et un nul à la ronde 4. À un point près, on perd ronde 3. À un point près, on ne gagne pas la ronde 4. C'est comme ça, on fait 5 points. Je pense que c'est une bonne première sortie pour notre équipe. Bon, super. Et ton impression du week-end ? Le week-end, c'est fantastique. Ça fait plaisir de repousser du pitou sur des belles tables, des beaux tapis, des beaux décors, une excellente ambiance, des gens à l'échange. On a bien pu discuter avec tout un chacun. Le tournoi était au top, l'accueil, les organisateurs, les joueurs. Donc rien à dire, c'est parfait, on refait le 3. Ok. Moi, j'ai une question. Oui. Je voudrais savoir, par rapport aux autres militants, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs ? Alors moi, je n'aime que les films de gladiateurs quand ils sont torse nu et pleins d'huile. Sinon, ça ne m'attire pas. Est-ce qu'ils sont épilés également ? Alors, épilés, de quelle zone parles-tu ? Toutes les zones. Quelle zone plus explicitement ? Mais le torse qui est huilé, donc, avec Moi, le torse ne m'intéresse pas. Je fais cuir moustache, je préfère les zones plus érogènes. Je pense notamment, surtout à la zone lombaire. Quand on caresse, cela est très agréable. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce sujet ? Non. Merci. Merci à vous. À la team Cuir Moustache d'être venue, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Et puis on espère vous retrouver si toutefois un opus Master and Commander 3 venait à voir le jour. On l'espère, merci à votre accueil. Yes, je suis donc avec Cyprien. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une chaîne YouTube sur le Wargame ? Cyprien au rabais quand même, hein, vraiment. Je suis avec Moyashi, vous l'avez suivi pendant tout le week-end. Est-ce que tu peux nous donner déjà le petit ressenti de fin de dernière partie ? Petit ressenti, c'est pas un petit ressenti, mais petit débrief, on va dire. Ouais, ça s'est bien passé. Je jouais contre un Drucari, donc avec ma liste Castellan, Ika, Astra Militarum, qui a joué très défensif. J'ai eu la chance de commencer, clairement, je le voulais dans ce match-up. Moi, je me suis déployé all-in, vraiment. En mode, si j'ai. Voilà, c'est ça. De toute façon, il me faut le T1 pour être bien. On a besoin de points vu la gueule qu'avait la matrice et qu'avait le pairing de manière générale. Donc j'y suis allé, j'ai eu le T1, j'ai été récompensé. Voilà, à 40K, mieux vaut avoir de la chance que du talent. C'est vrai. Voilà. Et ça, c'est une parole de pro gamer. Voilà, donc ça s'est bien passé. Il a joué très défensif, j'ai avancé, je l'ai bloqué chez lui. J'ai mis mes points, il y avait des GI partout sur la map. Voilà, j'ai scoré, pas lui. Pour l'équipe ? Pour l'équipe, on arrache le nul de justesse. Okay. C'est pas très bien passé sur les autres tables. Donc moi, petite win, 13-7. Il y a des copains qui sont bien fait pulvériser alors qu'on entendait un peu plus. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive.
on s'est amusé, on s'est éclaté, il n'y a que ça qui compte. Et le week-end, globalement, comment s'est passé ton week-end? Excellent, en vrai, comme tout le monde, ça fait vraiment, vraiment plaisir de rejouer à 40K, ouais. De le refaire en tournoi. C'est Martial qui organise, c'est Commander TV qui organise, c'est bien organisé, tout est au poil, on mange bien, on va finir à l'heure, il n'y a pas de retard, il n'y a rien à dire. Néo Master and Commander. Ok, je suis avec Manolo, que vous avez suivi tout le week-end dans l'incroyable épopée de la Turgescence incarnée. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la dernière ronde, ta dernière game, ta dernière ronde et ton avis, ton ressenti de ce week-end? Je te fais un espèce de compendium de toutes les questions. Je te passe le micro. Je peux dire tout ce que je veux? Non. Non, non pas, totalement. Pas totalement. Tu me fais pas confiance? Non, pas totalement. Je sais pas pourquoi. Ça, cette méfiance à mon égard, je suis très déçu. Alors, ma dernière game. Ouais, mais là, tu le coupes pas, là. Ma dernière game. Donc, on joue contre le trône de Terra. Et je me retrouve à parier contre Korbak et sa liste Slaaneshi. Pour rappel, je joue Craft World. Donc, une partie fluff en plus. Et ça, c'est, je sais que c'est important. C'est primordial. Comment dire, la partie a été très rapide. J'ai eu le premier tour, j'ai eu des très bons jets de dés. Korbak a déchaté totalement. Donc une phase de tir, une bâchette à moins. Deux phases de tir, deux bâchettes à moins. Voilà, etc. Les démonettes, les cultistes, les terminators. Je chargeais avec une unité de Shining, ça dégageait. Enfin, ça a été vraiment très très vite. Donc une partie à sens unique, un 20-0, une table rase en 4 tours, je crois. Une partie comme ça arrive des fois en tournoi, comme ça m'est arrivé sur la première ronde, où rien ne se passe comme il se doit se passer. Donc une game très très rapide et un match, et pour la team une égalité à 3 points je crois, donc plutôt content. Alors la team, notre team, moi je suis dans la team Silver de notre regroupement, donc c'est plutôt les jeunes joueurs, ceux qui ont besoin de s'aguerrir, de prendre de l'XP, etc. Donc moi je suis le papy, hein, au milieu je suis le papa. Donc voilà, je j'essaie un petit peu de leur donner mon expérience passée, très passée même. Et et donc notre ressenti à nous, ça a été un très bon tournoi. Donc très bon ressenti pour notre team sur le week-end, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tournoi, et puis là on vient de loin, donc il y a tout toute la rigolade en voiture lorsqu'on vient, lorsqu'on est dans l'appartement. L'aventure d'équipe, on est 12 dans l'appartement, ça a gueulé jusqu'à 2h du matin, on a bu de la bière, etc. Enfin bon bref, on s'est régalé entre nous, mais au-delà de ça, et là je parle pour ma team, on est plutôt tombé sur des teams et des joueurs très sympas, très, très fair play, et donc on a eu dans l'ensemble plutôt des games intéressantes, où les parties étaient intéressantes parce que les deux joueurs ont eu le temps et la possibilité de jouer, et donc c'était bien sympa. Et quant au tournoi, rien à dire, quoi. Je veux dire, c'est du pro player, je suis désolé, mais du pro orga, je sais pas quoi dire d'autre, je veux dire, toute autre remarque serait superflue. C'était parfait, voilà. Bon, merci à toi Manu, merci à toutes aux deux équipes Envie Dragoon d'être venues. On compte sur vous si un troisième événement venait à voir le jour. On sera là. Votre présence après tout. Et puis on va pas tarder à se projeter sur les résultats parce que c'est la fin du tournoi. Tony, un applaudissement pour Martial. Bien sûr, du Wargame français. Ok, on va donc clôturer le Master and Commander 2. Donc d'ores et déjà, merci à tous pour vous être déplacés et être venus passer ce week-end de Wargame tous ensemble. Et pour vous tous, évidemment, on demande un dernier applaudissement et un maximum de bruit. Donc voilà, ça a été très plaisant de revoir un petit peu tout le monde.
toutes les figures du Wargame qu'on a l'habitude de voir depuis, depuis de nombreuses années. Donc c'était vraiment, vraiment kiffant. Merci à vous. Évidemment, les remerciements d'entrée de jeu à la mairie d'Évry-Courcouronnes qui nous a permis d'avoir l'infrastructure, qui nous a permis d'avoir les autorisations préfecturales et qui nous a ouvert les bras pour qu'on puisse ramener du monde. Donc pour eux, un grand bravo. Merci. Merci évidemment à l'association AIDS, en la personne de l'incroyable Aïdarian et de Titi alias Raza, qui ont assuré, comme d'habitude, la prestation de qualité. La prestation de qualité, comme à l'accoutumée. Merci à vous. Merci évidemment à nos trois juges arbitres, à la PEC, à Chen, à Imortus et à Arca. C'est un vrai plaisir aussi de pouvoir avoir ce soutien-là en termes de jeu, d'avoir. Oui. Ça arrive. Ça arrive. Merci à la PEC évidemment, merci à nos partenaires aussi qui sont encore en train de payer leur tapis puisque derrière ils font 10 heures de route pour redescendre dans une ville du sud de la France, des rues Marseille, donc bravo à Grand Corps Game. Merci aussi à Mike Senari qui nous a fourni plusieurs travées, il est là aussi Mike Senari. Merci à les envies de Dragoon qui nous ont ramené des décors aussi. Merci évidemment à LOL qui n'a pas réussi à retourner ses merdes. Merci, merci beaucoup à LOL de nous avoir ramené ce super table. Vas-y, c'est canon. Et puis, si j'ai toujours oublié, le GDR est sur notre table. Voilà. Merci évidemment à tout le monde. Il est temps. Je vais te remercier tout le monde. Non, la buvette. La buvette. Ah, la buvette. On a oublié Cookie, le garçon de la buvette. On va, je pense qu'on a fait le tour, on va immédiatement rentrer dans le dur. Comme à l'accoutumée, on va prendre le classement du fond de classement jusqu'au premier. On demandera aux premières équipes, à partir du moment où les cite, troisième, second et premier, de venir nous rejoindre ici, puisqu'après dans l'ordre, premier, second, troisième, on pourra les choisir parmi les lots qui sont à disposition. Donc on laissera les premiers choisir, etc. Alors, en partant donc de la fin, nous avons les Warpings avec Immortalité. En
Etienne Lahorne. En sixième, nous avons les FTA. En cinquième position, les cuir moustache. Bravo! Les cuir moustache, c'était leur premier tournoi IRL. Les joueurs qui se foutaient depuis pas longtemps, c'était leur premier tournoi dans la belle vie, donc bravo à eux, nous attendons la conversation. Enfin, là, du coup, Black, le podium, les PU Alpha. Bravo! Qui est en général leur place habituelle sur PU. Et surtout, j'aimerais qu'on prenne pour faire un remerciements et un tonnerre d'applaudissements pour tous les commandeurs TV qui sont pendant la feuille. Et c'est clair que tu m'as fait une et donc nous commençons le podium à la troisième position de la Légion Invicta. À la deuxième position, nous avons les Zambine Dragoon Vibranium. L'espace Schengen. Donc, bravo à l'espace Schengen qui devient les grands champions du Master Commander 2. Je tiens à noter, d'autant plus que vous avez compris le nombre d'équipes, puisqu'on a des joueurs qui nous viennent de Belgique. À savoir, on a Guillou, Liam et Lida qui eux sont dans l'équipe nationale belge. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez passé un match. Félicitations pour le week-end, et rentrez bien, on est plus fatigué, 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 on est plus